Inch'Allah, on va, comme vous avez tous, comme vous êtes tous au courant, donc, le lieu est fermé. Ils ont décidé pour vendredi de nous laisser le parking, alors qu'on le demandait depuis le début de semaine pour faire nos prières quotidiennes. Aujourd'hui, pour éviter qu'on vienne ici, justement, ils nous ouvrent le parking. Alhamdoulilah, on a demandé, je viens de voir le commissaire, on a demandé l'autorisation. Non, ça marche pas. On a demandé l'autorisation pour se rassembler ici. Là, ils viennent m'indiquer qu'effectivement, on n'a pas précisé. Non, il ne marche pas. On n'a pas précisé qu'on devait faire la prière, donc il me dit à ce titre, comme vous ne l'avez pas précisé, alors qu'avant c'était comme ça qu'on faisait nos déclarations. On les faisait de cette façon-là, mais là il fallait spécifier aujourd'hui que c'était pour la prière. Je lui ai dit que c'était pas que pour ça, c'était entre autres pour faire la prière, parce qu'à Épinay, il n'y a aucun lieu, si ce n'est un parking, où normalement sont censés se garer des voitures, pas des êtres humains, qui a été mis à notre disposition. Donc maintenant on me dit que c'est votre responsabilité si jamais vous accomplissez la prière, alors que ça n'a pas été mentionné. Jamais vous faites la prière alors que ça n'a pas été mentionné, vous encourez des risques. Je dis, moi j'assume pleinement. Les gens ici, ils ont obligation de réaliser leur prière. À Épinay, il n'y a aucun lieu qui a été mis à la disposition par le premier magistrat de cette ville, le maire. Rien du tout, comme si on n'était pas considérés comme des citoyens. Donc on vient à la mairie, comme d'habitude, pacifiquement, dénoncer comment on est considéré. Donc là maintenant, Inch'Allah, il va y avoir l'appel à la prière. Abdel Hafid, Inch'Allah, qui va faire Jumu'ah, Inch'Allah, et après il va y avoir, Inch'Allah, des discours qui vont être tenus. Barakallahu fikoum. Vous devez rester après la khutbah de Jumu'ah parce que la situation est grave. La situation est très grave et vous devez tous être sensibilisés par rapport à la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Donc là, j'ai un problème avec le mégaphone. On va voir avec Abdel Hafid pour qu'il se mette au milieu et qu'il parle au milieu pour que tout le monde entende. On fera Inch'Allah, bismillah, comme prévu, comme on avait l'habitude de faire. Donc la prière et Inch'Allah, après... On vous tiendra informé de ce qui s'est passé, de ce qui va se passer, Inch'Allah, par la suite. Voilà, que l'on fait comme rester un petit peu après et pour que vous soyez informé de la situation. Donc, Mustapha, il n'a pas pu être là. Donc, c'est Abdel Hafid qui accomplira, Inch'Allah, le Jumu'ah, Inch'Allah, qui prendra pas longtemps. Voilà, que l'on fait comme. Là, essayez de prendre place. Je crois qu'on a mis tous les tapis. Essayez de vous serrer un peu parce qu'il y a du monde, Alhamdoulilah. Serrez-vous un peu, asseyez-vous. Comme ça, on commence, bidillah. Abdel Hafid.